Reliance, nous sommes convaincus que la délivrance des missions d'intérêt général de nos clients et sociétaires ne peut se faire que si les personnels sont présents, suffisamment nombreux, motivés, engagés, mais aussi compétents, reconnus et en bonne santé. Pour cela, notre action doit être multiple. Accompagner les personnels et leur fournir des bonnes conditions de travail, les former dans la durée, les accompagner en cas de coup dur, mais aussi être à leur côté pour franchir les différentes étapes de leur parcours professionnel. Ça veut dire également accompagner les organisations, et notamment dans la mise en place d'une culture managériale. C'est agir sur le sens du travail, la reconnaissance au quotidien des pairs, évaluer et répartir la charge de travail, garantir une équité de traitement entre tous, avoir des espaces de discussion sur le travail, savoir collaborer en équipe, sont des exemples de facteurs sur lesquels nous intervenons aux côtés des acteurs du soin et des territoires. S'il faut retenir quelques actions, je pense notamment à la nouvelle solution de prévention de l'épuisement professionnel que nous avons construite et déployée avec notre partenaire Holicare pour les acteurs territoriaux et hospitaliers. Nous avons également choisi d'accompagner le développement de Menti, une start-up qui délivre des solutions intelligentes auprès des collectivités territoriales. Je pense aussi à l'accompagnement de l'ANFH sur la QVCT qui va permettre aux établissements des 26 délégations de l'ANFH de monter en compétence sur le sujet de la QVCT et mettre en place des actions concrètes. Et bien sûr, l'apparition incontournable du panorama des absences qui évalue et analyse l'absentéisme au sein des collectivités territoriales. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le rapport d'activité qui est publié sur notre site internet.